Greetings world. We are anonymous. Bonsoir peuple de France et du monde. Ce que j'ai à vous dire est très important. Le jour de Noël, le 25 décembre 2019 à 17h, date historique dans l'histoire de l'humanité, sera diffusé le verdict du procès de Milan accusant toutes les corruptions et les mafias. En France, notre gouvernement est personnellement impliqué dans ces accusations, soyez présents. Nous faisons le procès de l'ensemble du gouvernement, mais y compris du président Macron, mais il est bien évident que ce gouvernement n'a pas toute latitude de soutenir et de défendre les intérêts de la France et du peuple français. Il existe des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. La censure se fait de plus en plus puissante, mais je le fais d'abord pour vous. Avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. La loi de Murphy est vraie. Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Les personnes qui nous représentent n'ont jamais été élues démocratiquement et sont payées depuis des dizaines d'années pour que vous restiez dans votre monde. Il n'est pas étonnant que les médias de masse soient contrôlés par une poignée de milliardaires, par une poignée de sociétés. Le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. Ils ont créé et financé des guerres pour détruire des nations, mis en avant des acteurs propageant aliénation et désillusion. Ils nous tiennent prisonniers par leur contrôle depuis bien trop longtemps. La vérité c'est que quelque chose va très mal dans notre pays. La civilisation occidentale a été renversée par une petite clique de banquiers, les mots comme « humanisme »,« raison », »,« progrès » ont remplacé les lois naturelles et morales de l'univers. Aujourd'hui l'humanité est fermement sous leurs emprises et s'enfonce profondément dans un coma artificiel. La NSA enregistre toutes les communications sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange sont traqués et persécutés par nos gouvernements. Ces élites manipulaient les événements mais également les médias et toutes les administrations pour détruire notre civilisation et ainsi introniser l'humanité dans leur nouveau monde. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Ils tiennent les peuples dans l'ignorance à un niveau intellectuel infantile. Ils s'assurent que le peuple est occupé à faire de l'argent et à s'inquiéter pour une réforme, s'inquiéter pour leur famille, leur crédit, leur emploi pour nous faire croire que nous sommes libres. Malgré toutes les preuves, nous sommes encore dans le déni, nous ne croyons pas vraiment à ces manipulations, c'est comme apprendre que nous avons un cancer en phase terminale. Nous ne voulons pas le savoir. Nous continuons de nous dire que nos institutions soi-disant démocratiques et culturelles sont saines et responsables. Nous souffrons d'une amnésie collective, nous souffrons d'une dissonance cognitive. Tout ceci est réel et cela est bien pire que ce que nous pensons. Les gens de pouvoir ont érigé un état policier vicieux derrière la façade de faux gouvernement. La mascarade qui consiste à combattre le terrorisme est un prétexte pour généraliser la présence des militaires dans nos villes et emprisonner les populations. Les protocoles ont été réalisés, l'objectif n'est rien de plus que la possession et le contrôle total de notre monde. Ils ont arrangé les révolutions, les guerres mondiales, la guerre froide, la Corée, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, et la guerre contre le terrorisme. Ces guerres étaient et sont criminelles. Bush et ses acolytes ont menti au reste du monde, mais à cause du pétrole toutes les armées de nos pays, parfois de jeunes soldats, continuent de se faire tuer pour protéger cet or noir à l'étranger. Dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. La vérité c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour l'argent et que vous le peuple pouvez mourir parce que vos maîtres en ont décidé ainsi. Nous avons une crise ici en France, nous avons un gouvernement de voyous, un gouvernement qui viole toutes les lois, qui multiplie les conflits d'intérêts, qui fraude, détourne votre argent de façon massive, il devrait être jugé pour cela, il devrait aller en prison. Pourquoi cette situation reste inchangée? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous nos hommes politiques et nos présidents reçoivent de l'argent des lobbies. Pourquoi tous ces gens, ces stars, ces politiques pleins de fric ne vont jamais en prison? Parce que quand vous contrôlez les médias, vous êtes au-dessus des lois. Ces élites ont volontairement créé des peurs pour que nous ne nous rebellions pas. La peur des forces de l'ordre, la peur de la justice, la peur de l'étranger, la peur du musulman, ce sont des divisions et des peurs pour mieux régner.
Au niveau individuel, nous sommes libres de nos choix, mais collectivement nous ne sommes rien de plus qu'un élevage. Vous passez votre vie à travailler, vous rentrez chez vous pour vous occuper de vos enfants, puis passez votre soirée devant les écrans. Tout cela n'a aucune importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. Nos maîtres ne sont que des gangsters. Ils se moquent complètement des lois. S'ils se souciaient véritablement de la liberté, ils renforceraient les relations entre les hommes, et ils protégeraient les lanceurs d'alerte du monde entier. Au contraire, ils nous sabotent. La qualité éducative et culturelle est rabaissée, leur divertissement propage la stupidité et la pornographie à travers les dernières générations. L'humanité souffre d'une forme d'arrêt de développement, les choses se répètent. Les journées se ressemblent. Ils ont mis en place les systèmes de manipulation de masse les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité, ils ont violé les plus basiques de nos droits et libertés. Ils se sont emparés du contrôle des médias pour saturer l'information de mensonges et de débilités sans intérêt. La technologie a atteint son paroxysme, pendant que nous sommes occupés à faire les rayons des grandes surfaces pour les fêtes, des civils sont sous les bombes, des enfants de Palestine et d'autres pays se font massacrer, on laisse crever de faim des populations pour continuer à consommer et maintenir notre niveau de vie. Mais après tout nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas? C'est Noël, ne nous prenons pas la tête avec tout ça. Les manifestations pacifiques ne suffisent plus, les manifestants déambulent dans les rues sagement derrière des lignes de CRS, comme le berger conduit son troupeau pendant que certains agents de police se font passer pour des casseurs et que la diffusion massive des dégradations retourne l'opinion publique contre elle-même. Mais que faire, me direz-vous? Eh bien ces manipulations exigent le secret et l'obscurité pour prospérer. Nous pouvons l'éradiquer simplement en l'exposant à la lumière de la vérité. La répression de notre pays se fait de plus en plus violente. Cela ne se fera pas pacifiquement. J'en appelle à tous les grévistes, tous les chômeurs, les cheminots, les pompiers, les infirmières, les enseignants, à tout le peuple, à continuer vos actions, continuer les coupures de courant, couper le courant des chaînes de propagande pour qu'ils ne puissent plus agir sur nous. Balancez sur les réseaux sociaux, apportez la vérité au monde, dénoncez la justice, les violences policières, les corruptions politiques et judiciaires. Au premier radar que vous trouverez, mettez-le hors d'usage, mettez hors d'usage les caméras de surveillance, collez des tracts dans les rues, que tout le monde puisse voir la colère de notre peuple. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous, maintenant. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus. On enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous.